Salut tout le monde, ici Koch, en direct. Comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir. On se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le lips roll. C'est le son qui fait comme ça. On appelle ça aussi pédalienne. Ou crapaud malade. Ou t'aurais mieux fait de pas manger ça hier soir. Bon, bref. Avant d'attaquer, pensez bien à mettre un petit like à la vidéo parce que là, les abonnés, ils commencent à monter les vidéos. Elles ont de plus en plus de vues. Bientôt, ça va atteindre les 10 000. Faut pas s'enflammer trop non plus. On va commencer avec le son du poisson. C'est quoi ce poisson là? Le poisson chat. Non, le son du poisson qui fait comme ça. Alors on l'appuie un peu plus. Si tu trouves que ça fait pas le son du poisson, tu peux te dire que c'est le son du bisou. Avec les lèvres retroussées. Ok? Maintenant, il va falloir choisir un côté, droite ou gauche. Et sinon, on peut le faire par le milieu. Tu comprends quand je te dis faut choisir un côté, droite ou gauche? Tu choisis un côté. Non, parce que moi, je préfère le faire par le milieu. Et bah, tu sais quoi? Tu sors, toi. Allez, vas-y. Du coup, je sors par où? Par la droite ou par la gauche? T'as qu'à sortir par le milieu. Tout droit. Une fois qu'on a choisi notre côté, bon, moi, j'ai choisi ce côté-là, ça fait... Le but, ça va être de réussir à faire ça en laissant les lèvres fermées, en laissant juste un petit espace sur le côté qu'on a choisi pour faire passer le son. Ça donne... Ça fait une tronche de con, mais bon. Pour s'entraîner, on peut essayer de faire avant-arrière, comme ça. Et ce qui est vraiment cool avec ce son, c'est qu'on peut rajouter la voix avec... À vous de jouer. J'avais pas une vanne moi pour la fin? Non.